Salut à tous, c'est Nazband qui vous parle. Comme ça, moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de BioShock 2 où mon objectif était de retrouver Eleanor. Et il n'y a pas de petite sœur. Donc j'ai sauvé toutes les petites sœurs du jeu, il pourrait au moins y avoir un achievement pour ça. Waouh. Je sais pas pour vous, mais moi j'aurais un peu de mal à essayer de marcher là-dedans, quoi. Je. Mais t'en fais pas, je vais lui péter la gueule à ta mère. Enfin non, je vais pas. Parce que tout le long du jeu, moi j'aurais voulu la première fois que j'ai joué, mais non, on peut pas. Dis-moi, Delta, sais-tu seulement pourquoi tu es venu jusqu'ici? As-tu la moindre idée de ce que ma fille t'a donné? Je te regarde et j'envie ton ignorance. Elle préserve ta foi. Tu sais quoi, je vais quand même venir chercher Eleanor. Et me taper le good ending parce que j'ai sauvé toutes les petites sœurs. Alors du coup je peux acheter des trucs, de la chevrotine, tiens, bah tiens j'en avais pas assez. Des balles. Je sais pas d'où je tiens tout ce pognon, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il me donne? De la chevrotine et des balles. Trop gentil, tout ce que je viens d'acheter en masse. En fait, ce jeu te troll. Ce jeu te troll à mort, hein. Ce jeu aime te troller. Toi, tu vas être à moi. Voilà. Et là, c'est vraiment la dernière ligne droite jusqu'au boss, hein. L'atrium. Mais ça me dit rien jusqu'ici, hein. C'est elle. Eleanor Lamb. Pas le temps de réfléchir. Fais ce que tu dois faire. Ouvre la cage. Elle vient avec nous. Ouais, super, mais attends. Avant d'ouvrir quoi que ce soit. Non, j'ai assez. Bah tiens, des rivets piégés, des rivets lourds. Donne. Attends, je pouvais encore acheter un truc. Bah du carburant pour la foreuse, tiens. Allez, bon. Bah allons-y, ça me paraît un peu facile, mais... Je me souviens plus trop de la fin, hein. Je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas fini ce jeu, mais... Il me semble que c'est un poil facile, là, quand même. Ah bah tiens. Envoyer la trousse de soins. Ouais, là, je suis vraiment blindé jusqu'à l'os, hein, au niveau munitions et trousse de soins, donc ça va le faire. Utilise les commandes pour faire céder le sceau de quarantaine du vivier qui la retient prisonnière. Quel souvenir aura-t-elle de nous après cela? Eh ben, toi, elle aura le souvenir d'une pétasse. Comme je l'avais prévu. Et toi aussi. Espérait-elle un tel résultat? Sa mère et son père qui ne la quittent pas des yeux. Mais nous n'en sommes pas moins aveugles. Ah, donc tu me considères Adieu, comme son père quand même? Et sois rassuré, tu es bien le seul à avoir échappé à tes gènes. Quoi, t'envoies du monde pour me buter? Oh, une grande sœur! Oh là là. On va prendre autre chose, hein. Merde, j'ai plus de munitions, excusez-moi. Oui, non, mais j'ai pas le temps pour toi. Déjà une de moins. Voilà. Vite, la chambre de quarantaine est ouverte.
Mais t'en fais pas, je l'ai vu, mon grand. Juste aller racheter des trousses de soins et puis des trucs du genre. Vu que j'ai de la thune maintenant, hein. Des rivets aussi. Et de la chevrotine. Et plein de trucs. Parce que voilà, je le peux. Et comme d'hab, le jeu a fait tomber des trucs que j'ai déjà achetés, genre la chevrotine. Trop gentil. Ce jeu se fout de ma gueule. Vraiment, hein. Tiens, j'avais pas vu ces caisses. Mais qu'est-ce que t'attends ? Je récupère des trucs. T'en fais pas, j'arrive. Oh là là. Salut Eleanor. Je t'entends mal. Je vois plus rien. Il y a quelque chose dans cette pièce qui me bloque. Ouais. C'était un peu con de se mettre entre deux. Ouais. Sais-tu pourquoi Eleanor t'a mené jusqu'ici? Elle voulait un père. Elle a donc trouvé un moyen de faire renaître ton corps et ton esprit. Incroyable. En même temps, tu l'as tué devant moi, devant elle. Je crois que niveau traumatisme, c'est pas mal, ça. Non? Comment elle m'a amené jusque dans une vie ta chambre? Exaltant chacun de tes actes. J'avais complètement oublié cette fin, les gens, hein. Cette fille allongée sur ce lit, ce n'est plus mon enfant. Ni même le fruit d'une vie de travail. Ce n'est qu'un monstre. Enfanté par toi seul. Et c'est ce qu'elle voulait. Ouais. Bien content, hein. Cependant, il est un détail concernant votre lien qu'elle a omis de prendre en compte. Ouais, en gros, si elle meurt, je meurs aussi. Son corps a été conçu pour sombrer dans le coma sitôt que son cœur cessera de battre. Eleanor, pardonne-moi. Oui, on croit que tout est fini, mais non! Tout n'est pas fini. Le jeu ne s'arrête pas comme ça, ce serait dommage. Hein. C'est pas une fin à la Bioshock 1, quand même. D'ailleurs, la cinématique de... De la façon la plus naturelle qui soit, s'il devait mourir suite à un traumatisme, il renaîtrait ailleurs. Qu'il soit en permanence attaché. Personne n'entre dans cette salle. Avant qu'il ait succombé. Il va pas succomber. Il va très très bien même. Papa, c'est moi, Eleanor. Je suis désolée, mais maman a arrêté mon cœur assez longtemps pour rompre notre lien. Rester à côté de moi ne t'empêchera pas de mourir. Ou pire. Mais je peux encore t'aider. Cette petite sœur t'apporte quelque chose qui va te permettre de prendre son contrôle. Ok. Salut. J'avais complètement oublié ce passage, moi. Oh, ouf. Eh non, mais la petite sœur, elle pourrait éviter d'être... Ah bah tiens, c'est la première fois que je me vois. Cool. Bon. Ah oui, c'est là que t'as la vision des petites sœurs. Vous avez pris le contrôle d'une petite sœur, vous pourrez désormais utiliser les manches à air et récolter la dent des cadavres. Bah oui. C'est vrai que c'est bizarre, papa. Mais tu peux désormais voir par les yeux de cette petite sœur et lui dire où aller. C'est okay. Comme ça que j'ai fait pour te guider sans que maman ne le découvre. Elles ont une vision différente de nous, hein. Commençons par te faire sortir d'ici. J'avais complètement oublié ce passage. Ouais, bon, bah, il y a une manche à air à côté, on va dire que c'est ça, hein. C'est juste un peu con qu'ils aient pas poussé le concept plus loin, parce que moi, je trouvais ça génial, le fait de contrôler une petite sœur et de voir sa vision du monde. C'est-à-dire que pour elle, Rapture n'est absolument pas détruite.
Elle voit Rapture telle qu'elle était. Tu as réussi. Il doit y avoir un levier quelque part. Utilise-le pour déverrouiller toutes les cellules. Franchement, j'ai toujours adoré ce passage. Attention, Augustus Sinclair a été aperçu sur les lieux. Il va tout faire pour retrouver le sujet Delta. Sa capture prime sur toutes vos présentes activités. J'aimerais le faire moi-même, mais je n'ai plus la force. Pour te sauver la vie, je vais devoir changer. Je dois devenir forte, aussi forte que toi. Ok. Là où tu te trouves, tu devrais pouvoir trouver des pièces d'armure de grande sœur. Rapporte-les-moi, s'il te plaît. Ouais, ces gens-là sont normaux, c'est ce qu'elle voit, la petite sœur. Ah, y a un ange, là. Et là, elle revoit normal. Ouais, j'ai toujours adoré ce passage. Regarde-moi ça. Ah ouais, bien plus belle, hein. Pas à chier, hein. Donne-lui $. Je pense qu'une petite sœur foutrait avec des dollars, mais les filles bien sages savent bien glaner. Ok. En même temps, là, j'ai toujours la petite flèche qui m'indique où aller, mais franchement, j'adore cette vision de Rapture. Hein. Papa rencontre Tante Gracie. Je peux pas brûler, non? Regarde, papa. C'est une pièce d'armure. Trouve vite les autres et rapporte-moi tout ça. Ah ouais, c'est vraiment sympa, hein. En fait, c'était juste un feu normal et elle voit ça comme un feu de cheminée. Je trouve ce passage vraiment génial. Disons que je suis prisonnière de ce rêve délirant. Maman m'a drogué tout ce temps afin de perfectionner mon esprit avec de la dent. Ouais, je peux comprendre que t'en aies marre. L'enfant idéal est un génie qui doit agir pour le bien de tous, sans se poser de questions. C'est de ça que tu m'as sauvée. Ok. Bon bah je suis ma petite flèche hein. Je sais que le sujet Delta meurt pas à la fin. En partie de moi. Plus je les vois grandir ici à Rapture, plus je le sens. Quand tu étais avec les petites, elles te faisaient confiance. Tu étais comme un père pour elles, grâce à moi. Ok. Je sais pas comment cette gamine peut porter tout ça, mais... Et donc... Maman avait raison sur un point. Je t'ai surveillé, papa. J'ai observé de quelle façon tu traitais les autres. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Voilà, et c'est pour ça que si tu veux le good ending, eh ben, il faut pas tuer les gamines, hein. Il faut plutôt les sauver, parce que, bah oui. C'est un peu à la manière de Dishonored, hein. Eleanor surveille tes moindres faits et gestes. Je suis un être libre. Après tout ce que maman m'a fait subir, je suis vivante. Et suffisamment saine d'esprit pour être curieuse de voir un jour le soleil. Quand tu as sauvé mes nouvelles sœurs, j'ai senti chacune d'entre elles. Et j'ai repris espoir, pour la première fois depuis des années. Ting, cadeau. Ah, ça a mieux aller là, hein. Et moi, je vais faire pareil pour toutes les autres. À commencer par celle-ci. Voilà, et si tu les as butés, ben elle les bute. Nous avons réussi, papa. Je serai bientôt là. Ouais, je vais avoir le good ending. Et puis j'aime bien sauver dans ce jeu, parce que j'ai déjà fait l'ending où on tue tout le monde. Ouais, il est moins bien. Hein. Oui, non, 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 non! Reste en charge. Alors, option, putain, ça m'a de nouveau foutu le mode fenêtré avec 100. Allez, foutons en fenêtré 2 secondes. Non. Voilà, merci. Ces combinaisons m'ont toujours fait penser à toi, papa. Je crois que pour moi, tu restes un chevalier en armure. Aujourd'hui, c'est à mon tour de me battre pour toi. On va faire ça. Voilà. Super. Maintenant, c'est le meilleur moment du jeu. Prends ce plasmide.
Il te servira à m'appeler pour que je vienne t'assister au combat. Eleanor, sous sa forme de grande sœur, pour renverser les tendances dans les combats difficiles. Ah oui. Appelez la grande sœur pour qu'elle se batte à vos côtés. Attention, les meilleures choses ont une fin. Merci. Oh, bah le cadeau était pas terrible. Hein. Et si tu tues toutes les petites sœurs, bah elles te laissent crever à la fin, Eleanor. Eleanor, j'aurais besoin de toi. Parce que ces cons là, ils font mal. Connard, mais je t'en foutrais. Tu vas arrêter de me taper dessus comme ça. Aïe, Eleanor. Ça fait mal. Tu m'entends? Tu as volé le résultat d'une vie de labeur. Et avec lui, mon unique fille. Rapture n'abrite que des monstres. Nous ne sommes pas les bienvenus à la surface. Je croyais qu'on servait le bien commun. Je m'en fous de ce que t'as à dire en fait, mais complètement. T'as pas idée. À quel point je peux en avoir rien à branler de toi. Tes théories à deux nous balles. Nous serons enterrés côte à côte. En famille. Ouais, si tu le dis. Oh non! Elle va couler le bâtiment dans la fosse. Elle est profonde de plusieurs kilomètres. On doit trouver Sinclair. Oui, bah un petit objectif, merci. Je m'en fous de combien de temps il dure cette vidéo, on finit le jeu là, hein, quand même. Oh, on est bientôt à la fin, on va le finir. Même la musique du loading qui est en phase avec ce qu'on est en train de vivre. Oui, bah j'arrive. Eleanor. Ah oui, je me souviens. Regarde par le hublot, papa. C'est le bâtiscaphe de Sinclair. C'est notre seule chance de nous enfuir. D'après ce que je sais de Sinclair, il ne l'aurait jamais abandonné comme ça. Ouais, mais il est pas là. Oui, Delta. Qu'en est-il de Sinclair? L'homme qui voulait vendre le paradis. Où est-il à présent? Il me semble qu'il te trahit pas. Votre attention. Couvre-feu initialisé. Toutes les cellules et porte-cloisons sont condamnées jusqu'à nouvel ordre. Donc... Ce bâtiment se tient au-dessus d'une fosse océanique, Delta. La famille a posé des explosifs sur ses fondations. Rends-toi avant qu'elle n'explose, ou nous retournerons à la poussière au plus profond des abysses. Si tu veux, mais je vais pas le faire. Maman a bouclé tout Perséphone, même la voie d'accès au bâtiscaf. On peut annuler le bouclage dans l'aile de détention si on fait vite. Oui, j'aimerais une petite flèche, s'il te plaît. Utilise le plasmide si tu as besoin de moi, papa. Oui, je vais jeter un coup d'œil. Ceci est une urgence. Le sujet Delta s'est échappé. Eleanor Lamb a trahi les siens. Combattez ensemble. Ou nous autres, membres de la famille de Rapture, nous périrons ensemble. Bon, écoute. J'ai pas le temps. Voilà. Voilà, tu veux y aller comme ça, on y va comme ça, pas de problème pour moi. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais le plasmide d'Eleanor, bordel. Voilà. Putain.
Voyons, amélioration santé, amélioration F, je veux. Arc électrique 3, ça peut être utile. Charge atteint plus d'un ennemi. Chargez l'arc électrique pour créer un véritable orage meurtrier. Piège à vortex, non. Bah, tous les autres m'intéressent pas en fait, mais je vais prendre un emplacement de fortifiant. Voilà. Oui, bah, je vais essayer, hein. Des charges électriques, ça a l'air sympa. Ça va, t'étais en train d'écrire des trucs et t'es mort? Bah, c'est dommage. Oui. Non mais... Ah. Attends. Peut-être que je fasse le tour. Mais je connais le truc là, il faut que je... Papa, tu peux ouvrir la porte. Ah oui. Système. Essaie. Excuse-moi. C'est moi qui suis con. Je pense trop au Bioshock 1, je pense. Merci. Je vais prendre ça. J'aime cette arme. Cette arme, elle est sympa. Oui, je commence à mourir. On doit quitter Rapture. On n'a pas le choix. C'est le seul moyen de te sauver. D'accord, une caméra ici. Prenez des photos. Attends, c'est un œil là-dedans? Non, je pense pas. Je suis un peu, je suis toujours un peu paumé hein, dans cette zone. Ah là. Début de la séquence d'admission. Eh bien, Delta, ne reconnais-tu pas ton cher ami Sinclair? Il est ce que tu aurais dû être. Le dernier modèle de la série Alpha. Prêt à se sacrifier pour la famille. Ouais. En tant qu'ancien propriétaire de Perséphone, c'est l'homme idéal pour te remettre en cage. Si tu le dis, je vais péter la gueule. Maman contrôle Sinclair, papa. Et il a la clé principale. Attrape-le. Ouais, je vais faire ça, dès que je peux. Si je peux ouvrir la porte. Petit, l'ambe est dans ma tête. C'est plus fort que moi. Rien que pour parler, je dois lutter. Elle m'a laissé ma langue pour me torturer. Et me faire cracher les codes de la bombe. Elle veut que je t'empêche de partir. Je suis désolé. Bon, putain, j'ai besoin de toi. Eleanor, tu veux bien buter ces conneries là? Vas-y, vas-y, bute-les. Putain, elle est plus efficace que moi hein, de ce côté là. Maintenant, faut que je repère cette caméra à la con. Et que je la pirate. Voilà. Hein? Interdiction formelle de se battre. Ouais, bah dommage hein. C'est déjà fait. Non mais je voulais pas ça. Balle anti-personnage, je pense que ce sera un poil plus efficace. Oui, désolé Eleanor, j'ai tiré ça par hasard. T'es pas obligé de suivre aveuglément tout ce que je dis non plus, hein. Oui, on va avoir des trousses de soins, ça je veux bien. Des seringues dev. Des balles. Plein de balles. Envoye. L'enfant du peuple viendra. Ah, Eleanor fait des petits commentaires aussi. Oui, bah elle te pète la gueule. Voilà. Oh putain. Ouais non, j'aime avoir Eleanor dans mon équipe, hein. Franchement. C'est franchement bien d'avoir Eleanor dans l'équipe. Y a pas de petite sœur là, non?
Eleanor, je sais que tu m'entends. Je suis dans le bâtiscaf de Sinclair. Delta ne peut pas me rejoindre ici, mais toi, tu peux. Tu ne dois pas mourir avec lui. Nous retrouverons la surface ensemble, si tu viens me rejoindre. Mais bien sûr. Et que tu acceptes ta destinée. Ne l'oublie jamais, Eleanor. Maman t'aime. Maman m'aime. Oh là là. Oh oui. Maman me met à l'épreuve. Heureusement, je suis désormais la plus grande spécialiste au monde de la désobéissance. Ah. J'ai fait mon choix, papa. Et s'il le faut, je mourrai pour lui. Tu me tues pas, tu fais rien? Bah, c'est pas grave. En même temps, vu la vie que tu as, autant te tuer. Hein. Petit, je suis désolé. Je t'ai enfermé ici. L'ambre me fait danser comme une marionnette. Je ne peux pas m'arrêter. Il va falloir que je te tue, t'en fais pas. C'est prévu, ça va te faire. Il va falloir que tu viennes ici pour m'achever. J'arrive. J'aurais préféré qu'il y ait une autre solution, mais je préfère mourir comme un homme que de vivre ainsi. Ok. Tu veux bien me donner le code? Je t'aurais bien donné moi-même le code de la porte si je pouvais. C'est comme si l'ambre avait construit des murs dans mon cerveau. Les prisonniers doivent sûrement connaître le code. Va voir dans les cellules et fais vite. Ça devient insupportable pour moi. Je pense une chose et ma bouche en dit une autre. Oui, F. Oh non, il a raison, papa. Maman pense que tu mourras ici ou que je t'abandonnerai avant l'explosion de la bombe. On ne peut plus sauver Sinclair. On a besoin de sa clé. Je sais. Trouve le code du Mirador ou trouve un moyen de la tirer à l'extérieur. Oublié, toi. Personne ne t'a oublié. Je suis tout enverrai une carte de mes vacances. Au suivant. Ça va, Eleanor? Tu prends bien ton pied? Non, t'as rien. Apparemment, je peux pas leur parler, donc... Oh merde. Petit, j'ai construit cet endroit. Et c'est vrai que je t'ai loué comme cobaye à Fontaine Futuristics pour leur test plasmidique. Et aujourd'hui, je suis en train de le payer. J'aurais aimé avoir le temps de m'excuser. Prends le bâtiscaf, il est à toi. Mais je t'en prie, ne me laisse pas comme ça. J'ai pas l'intention de te laisser comme ça, je sais juste plus que c'est le code. Le tunnel de maintenance, oui, je me souviens. Ça devrait te permettre de m'approcher. Tu vas pouvoir m'attirer dehors. Essaie, petit, essaie, vite. Ok. Petite flèche. Oui. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, mais je m'en fous. Ouais, c'était par là, ouais. Tu vas pas me dire que j'y pars 5 dollars. J'y pars 5 dollars. Voilà. J'ai 5 dollars là. Merci. Super. Ah. Deux secondes. Que je retrouve le bon. Tu es dans le tunnel. C'est bien. Ça devrait te donner une longueur d'avance sur moi. J'espère. Ouais. Ah, une fléchette de piratage. Y'a rien de spécial ici, non? Le libre arbitre, Delta. Voilà le cadeau d'Eleanor. Et chacune de tes décisions l'a transformée à ta propre image. Sinclair n'a pas eu cette chance. Et même par son absence, il sert notre monde sans faillir. C'est maintenant un homme meilleur. Ouais.
Sinclair se déplace. Trouve-le. Il nous faut cette clé. Ouais, ben je comprends pas trop ce que je dois faire. J'ai jamais trop compris ce que je devais faire à ce passage, mais bon. Reviens. Tu dois finir ta mission. Ne me laisse pas dans cet état. Je vais pas te laisser dans cet état, t'en fais pas. Papa, je crois qu'en annulant le bouclage, on va libérer tous les prisonniers. Alors assure-toi d'être prêt avant d'utiliser la clé sur l'interrupteur de sécurité. T'en fais pas. Je suis toujours prêt. Circuit de commande activé. Fin du couvre-feu. Fermeture temporaire du poste de sécurité. Ouais. Sinclair est mort en héros pour la famille de Rapture. Non, il est mort parce qu'il voulait pas être un connard. Ton ami ? Ou s'agissait-il d'un simple outil ? Peux-tu au moins faire la différence ? Quant à toi, Eleanor, tu as fait passer le sujet Delta avant ta mère, avant ton peuple, et avant le devoir de ton sang. Qu'il en soit ainsi, tu crois que ce Batiscaf emmènera Delta en sécurité ? Tu es comme une enfant gâtée avec un nouveau jouet. Je n'ai pas d'autre choix que de te le confisquer. Ah, mais va te faire foutre. Fin du couvre-feu. Les portes cloisons ont été déverrouillées. Non mais oh ! Oh non ! Maman s'intéresse au Batiscaf. Il faut qu'on y retourne tout de suite. C'est qui ? Ah, il en prend plein la gueule, hein. Alors, voyons voir. Hein. Oui, dites bonjour à mes chiens. Bon. De toute façon, ce jeu est bientôt fini. Le jour où il n'y a pas d'aboiement de chiens sur mes vidéos, c'est que c'est un miracle. Eleanor, tu pourrais savoir viser, s'il te plaît. C'est bon là. Tu te calmes. C'était quoi ? L'office qui me réécrit alors que je viens d'en payer, je sais pas combien. Ah ! Bon, et apparemment, il n'y a que des protecteurs à battre maintenant, alors je vais garder Eleanor sagement à mes côtés, hein ? T'en fais pas. Chaque instant qui passe m'éloigne un peu plus d'Eleanor, Delta. Cette obsession pour son père ne tardera pas à l'achever. Oui, ou alors rester avec toi, la chèvre. Avant que tu ne meures, je vais te prendre tout ce que tu as de plus cher. Ouais, c'est ça. Sinclair n'est qu'un cadavre de plus dans ton sillage. Voilà, Léanor, je te laisse faire, hein. Ça me fait plaisir. Tu pourrais tuer l'autre aussi. Je veux dire, j'entends. Ah, moi, je laisse faire Léanor, hein. Elle s'en sort bien. Ah oui, non, mais ça va bien, hein. Il y a des protecteurs de partout, mais tout va bien. Ouais. Tu sais quoi, à la limite, j'en ai rien à branler de tous ces mecs à tuer. Là, je veux juste finir le jeu. Et je vais le finir. Parce que je sais que je suis proche de la fin. Attendez. C'est ce que je craignais. Elle a fait sauter les compresseurs du ballast. On n'arrivera jamais à remonter. Sauf si... Attends, je réfléchis. Réfléchis pas trop longtemps, s'il te plaît. Je peux essayer de faire bouillir l'eau pour qu'elle s'évapore et que le Batiscaf remonte. Mais je ne pourrais pas produire autant de chaleur toute seule. Je crois qu'il est temps de libérer les dernières petites sœurs de maman. Ok. Alors, balle des calibres, grenade à fragmentation. Vite. Ok, c'est où ? Thérapie. Ah bah c'est par là. Génial. Ah mais c'est bon, j'ai compris. Je suis en train de mourir. Jamais je ne laisserai quelqu'un nous séparer. Tiens bon.
Ça va, j'arrive à faire battre mon cœur par la seule force de ma volonté. Ou une connerie genre. J'en sais rien. Oh, une babale. Eleanor, je te veux maintenant. Je ne vous éclairerai en rien. Les fidèles de maman font exploser les bombes. Il faut faire vite. Eleanor, putain! Merci. Mon père était médecin. Il ne m'a pas élevé pour que je l'imite, mais pour que je façonne le monde comme il devrait être. Ma mission, selon lui, était la suivante. L'aile pédiatrique n'est plus très loin. On devra sûrement se battre pour entrer. La routine. Chaque vie, chaque mort, en fonction de l'intérêt général. Il appelait ça. Elle fait chier avec son intérêt général, celle-là. Et puis il riait, sans sourire. Elle a quoi avec son intérêt général, celle-là? Bonjour. Je ne suis pas ton messie. Eleanor, va te battre! Merci! Quand tu te seras débarrassé d'eux, envoie-moi un signal en utilisant le bouton sur ce hublot, et je viendrai. Vas-y, bute cette machine là, parce que j'ai pas envie de la pirater. Où est-ce que vous êtes? Où vous êtes, les filles? J'ai l'impression qu'Eleanor vous a trouvé, mais moi pas. L'endroit est encore trop dangereux. On doit d'abord se débarrasser des chromosomes. Bah ouais, faisons ça. Putain, ils s'en prennent tellement plein la gueule, les chromosomes. Eleanor est plus douée que moi, hein, à trouver les chromosomes. Ah oui, non, mais alors là, ils te foutent tout dans la gueule, hein. Vraiment tout. Bon. Eleanor, le truc dangereux, là, il est là. C'est jamais. Oh, mais putain! Mais je m'en fous de vos machins installés, là! Me sortez pas du jeu! Putain, mais... Non! Mais... Il est où? Il est où cet enculé là? Qui me tire dessus? Voilà. Je vais réveiller les enfants. Elles sont plus puissantes qu'elles ne le pensent. Avec leur aide, je devrais pouvoir faire bouillir l'eau du ballast et nous permettre de quitter les lieux. Ouais, bah en attendant, je vais me barrer, hein, t'es gentille. Continue. Je les libère aussi vite que possible. Comme tu me l'as appris. Oui, et si tu les as tués, eh ben, elle les tue aussi vite que possible. Pour prendre leur puissance. Rien à foutre. Boisson énergétique, terrine de viande, mais y'a rien en fait. Quelle que soit la sincérité de ta démarche, Delta, tu ne pourras pas les sauver. Si, si. La surface n'est pas un paradis. C'est un enfer. Je préfère encore les voir se noyer que de les savoir là-haut. Mais t'es une vraie connasse en fait, hein. Écoute, papa. Je sais que tu ne voulais pas avoir une fille. Mais l'amour, c'est un artifice. Si on veut lui donner du sens, l'amour a besoin de choix. Jamais je ne laisserai maman nous séparer une nouvelle fois. Oh.
Excusez-moi, je vais par là. Ma flèche me dit d'aller par là. Encore une bombe. Dépêchons-nous. L'endroit ne va pas tarder à céder. Ouais. Au revoir. Au revoir. Ah, vous mourrez bien. Ah, elle va aller chercher en plus, hein. Regarde-moi ça. Elle va te me les chercher. Et des fois, elle me bloque le passage aussi. Donne. J'hésiterais presque à arrêter maintenant parce que ça fait quand même une longue vidéo, là. Ah là là, dilemme. Non. Eleanor devait devenir une synthèse vivante de tous les génies de Rapture. La toute première utopienne, au service du monde entier et sans aucun ego. Obliger un tel être à avoir une conscience revient à lui couper les ailes. Voilà ce que tu lui as fait subir, Delta. Ah, tu peux dire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. J'espère que tu es fier de toi. Oui, absolument. Parce que je n'adhère pas à ta philosophie débile. Allez, on se réveille. On se réveille. Il n'est pas question. Vous êtes plus très résistant, hein. Non. Non, vous êtes plus très très résistant. Non. J'ai pas l'intention. Oh, va chier, hein. Ah, c'est bon. J'ai plus de fléchettes. Vous êtes chiant, vous téléportez partout, ok? J'aime pas ça. Cartouche blindée, ça ira très bien. Et je sais pas ce que vous me vouliez, vous, mais je m'en fous. Putain, ça te fait super mal en fait. On approche d'une autre aile pédiatrique. Il y a de fortes chances pour qu'elle soit gardée. Prépare-toi. Ouais. Quand tu te seras débarrassé d'eux, envoie-moi un signal en utilisant le bouton d'appel. Et je viendrai. Ah oui, non mais moi j'envoyais la norme maintenant, hein. Mode plus rien à foutre. Viens par ici, que je puisse fouiller ton cadavre. C'est bon? Putain, j'adore ces munitions. Comment ça les fait voler? J'adore ça. Très drôle. Boum! Enfin, un peu de feedback avec les armes.
Ok, jusque là ça va, c'est cool. On s'en sort plutôt bien. C'est bon, on a fini. Partagez-nous une petite flèche. En général, quand j'ai une petite flèche, ça veut dire que c'est bon. Bah, Eleanor, je crois que c'est bon, hein. Ah. Voilà. T'étais déjà là, mais... Je vais pouvoir m'occuper de l'eau du ballast. Je pense avoir suffisamment d'Adam pour nous permettre de quitter Rapture. Retournons à la plateforme d'embarcation. Ok. Allez, ouais, j'aurais dû me stopper à 20 minutes, hein, parce que je pensais que ce serait moins long que ça, mais... Tu as donné à Eleanor la volonté de choisir. Mais ce virus se transmet à la vitesse de l'éclair chez ces innocents. La conscience de soi est une malédiction, Delta. Et c'est toi qui en es la cause. La conscience de soi a permis à l'humanité d'évoluer. Et la conscience de soi t'a permis de te dire que la conscience de soi était une malédiction. Alors arrête avec ton hypocrisie. Sérieux. J'ai pas le temps, je me casse. Oh, je me casse juste, hein. Rien à foutre. On y va tranquillement. Ah, un truc de soin. J'avais pas vu. Allez, Eleanor, vas-y, fais ton truc. J'entre dans le ballast. Quand tu seras prêt à commencer, approche-toi de la vitre. Mais n'oublie c'est pas. Bon. Une fois l'opération lancée, on ne pourra plus faire machine arrière. On ne fait plus machine arrière, t'en fais pas. Ah ouais, vous avez quand même des gamines en feu pour faire fondre l'eau. Enfin, fondre l'eau, évaporer l'eau. Et tu serais prêt à arracher ma fille unique à son foyer et à sa famille et à la livrer à un monde sans espoir? Ouais. Non, je préfère encore que l'utopie meure avec elle. Et avec nous tous. Si tu le dis. Adieu, Eleanor. Ailleurs, je t'attendrai. J'arrive, papa. Retiens-les tous jusqu'à ce que l'eau se soit évaporée. T'en fais pas. C'est prévu. Ah lui, il veut descendre, hein, mais il n'y arrive pas. Oh, mais dégage! J'adore cette arc électrique, là. Attends. Je vais le charger. Ah, je peux pas. C'est pas grave. Je croyais que je pouvais, mais... Dégage. C'est presque fini. Cool. Et j'adore les rivets lourds aussi. Je vais éviter de crever quand même, ce serait dommage à ce stade du jeu. Maintenant, je viens t'aider à combattre. Oui, c'est gentil. Merci. Vas-y, Eleanor, s'il te plaît. Il y a besoin là. Alors toi là, tu vas fermer ta gueule. Je continue à utiliser le plasmide d'Eleanor et puis c'est bon, hein. Ne t'attaque pas toi-même, Eleanor, hein, j'ai pas fait exprès. S'il te plaît, sois pas conne. Excusez-moi. Juste à la farandole des prix, il y a des trousses de soins. Ah bah tiens, je l'avais pas piraté, je vais le faire. Ah bah oui, hein, écoute. Y'a pas de petit profit. Des seringues d'Ève aussi, voilà, tout va bien. Et je vais en racheter une. Non, je peux pas. C'est pas grave. Ah bah oui, ça fait mal, hein.
je comprends. Comment vous pouvez vous téléporter au final et tout, je comprends pas. Ouais, là c'est juste une longue scène de combat en fait. C'est ça. Ouais. J'ai réussi, papa. Il n'y a plus d'eau dans le ballast. Tu peux libérer le bathyscaphe. Comment je fais? Ah, j'ai une petite flèche. Excuse-moi, on n'a pas le temps pour ces conneries. On va prendre une autre arme, genre ça. Ce sera très bien. Ah, voilà. L'ascenseur qui mène au bathyscaphe est inondé. On doit équilibrer la pression ici pour pouvoir ouvrir la porte. Oh, c'est pas grave. Tube en verre pour inonder la pièce. Ok. Ah, pardon, on peut pas avec ça. Vous savez quoi, la première fois j'avais pas écouté ce que disait Eleanor, donc j'ai passé des heures à tourner en rond à tuer tous les ennemis. Dépêche-toi d'aller au bathyscaphe. Ouais. Oh putain, attends. On va juste sauter. Attends. C'est par où? Je veux bien suivre la flèche, mais... Il me semble qu'elle dit un endroit un peu bizarre. Attends. Ma flèche, là, il me semble qu'elle me dit des conneries. Ah non. Bah, désolé les prisonniers qui avaient rien fait, hein, mais... Salut. On y va? Je cours. Enfin, elle fait ça tout, seul. Oh mon dieu. J'avais oublié ce truc-là. Et je suis encore en vie, hein. Au revoir. Ah, les cinématiques sont quand même pas mal pixelisées, hein. C'est un jeu de son époque, hein, quand même. Ah, content. Et en plus, j'ai épargné tout le monde. Le rêve de rapture est fini. Tu m'as appris que le mal n'était qu'un mot, une douleur qui nous modèle à sa guise. Pour toi, le pardon est une victoire. Tu as fait des sacrifices. Tu as souffert. Lorsque tu en as eu l'occasion, tu as pardonné. Chaque fois. Maman pensait que ce monde était perdu. Elle avait tort, papa. C'est nous qui sommes l'utopie. Toi et moi. Et en pardonnant, nous lui avons ouvert la porte à elle aussi. Ouais, et je vous laisse deviner que dans l'autre cinématique, quand on tue toutes les petites sœurs, eh ben, elle la laisse crever, hein. Nous voici à la surface. Le rêve de rapture est terminé. Mais en m'éveillant, je revis. Ce monde n'est pas prêt à m'accueillir. Et pourtant, je suis là. Comme il serait facile de me méprendre à leur sujet. Tu es ma conscience, papa. J'ai besoin que tu me guides. Putain, la taille de ces aiguilles, moi déjà que j'ai peur quand on me fait une piqûre chez le médecin.
D'accord, est-ce que tu viens de m'aspirer en toi? Tu seras toujours à mes côtés, papa. Tes souvenirs, tes désirs. Quand j'aurai besoin de toi, tu seras à mes côtés. Une toute petite voix, à peine perceptible. T'aurais pu me laisser mourir aussi, hein, parce que je veux dire, là c'est presque une prison, hein. Et là, paf, un énorme tentacule qui arrive et qui l'attire vers le fond. Ouais, je préfère vraiment cet ending, hein, parce que le bad ending où t'as tué les gamines, il est pas terrible, terrible, hein. Et Bioshock 1, j'ai même pas envie de me le faire en bad ending pour voir ce qui se passe à la fin. Ces gamines sont toutes des clones, je viens de remarquer en fait. C'est toute la même gueule. C'est assez impressionnant. Si l'utopie n'est pas un lieu, mais un peuple, alors notre choix doit être consciencieux. Car le monde va changer. Et dans notre histoire, Rapture n'était pas la fin. Mais le début. Ouais. C'est pas mal. Très joli, hein, comme parole. Bien, alors que dire sur ce jeu sinon que c'est mon jeu préféré dans la franchise Bioshock. J'adore ce jeu et je vous laisse deviner pourquoi, tout simplement parce qu'il est génial, que l'histoire est géniale, que les combats sont géniaux, les décors sont géniaux. Tout est génial dans ce jeu. Et même si vous avez regardé ce let's play jusqu'au bout, si vous avez l'occasion une fois de vous le payer et d'y jouer, faites-le parce que ça vaut vraiment la peine, c'est un putain de jeu, je l'adore. On peut laisser le générique jusqu'au bout parce que de toute façon il n'y a rien après. Hein. Donc voilà les gens, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et la mettre en favori, tout ça me ferait énormément plaisir. Vous aussi me rejoindre sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir. Allez, bye. Ils sont très cons à parler dans la rue tout seul comme ça, hein, sérieux. Eh, j'ai déjà un ratata, à la limite, je m'en branle du ratata.